Good morning, allez, Yidan, tu seras aujourd'hui le lundi matin vraiment de Chai ben Yitzhak Vefani, Laorlea bat Beila, Armon Amram ben Sulika et Shalom ben Biba. Si vous souhaitez aussi l'idée d'une prochaine vidéo de Michel, contactez 5 minutes éternelles. Nous allons nous arrêter à votre père et Kalef, Mishnah Dalet. Bet Shamay Matirin Atsarot Leachim, ou Bet Hillel Osrin. Chaltsou, Bet Shamay Poslin, Menakeuna, ou Bet Hillel Marchirin. Nitia Bemou, Bet Shamay Marchirin, ou Bet Hillel Poslin. Appel Pichel ou Osrin Velo Matirin, Elo Poslin Velo Marchirin. Lo nimneu bet shamay milisa nashim mi bet hilel velo bet hilel mi bet shamay. Kol ha-teharot ve-tum'ot shayu elu meta'arin ve-elu meta'in. Lo nimneu osin teharot elu al gabe elu. Bon, déjà un tout premier ridouche que j'ai eu après une recherche d'un quart d'heure sur Wikipédia à lire des tas de d'hérésies, ouais, mais jusqu'à qu'on trouve le mot. Une tsara, ça s'appelle une co-épouse, tout simplement, d'accord? Donc en fait, on a un mot pour traduire le mot tsarot, et comme ça, nous on va s'acquitter de notre tsarot ainsi. Notre tsarot, ça veut dire des misères aussi. C'est pour ça qu'avec des co-épouses, c'est des misères, parce que chacune, elle fait des misères à l'autre, elle rend le mari plus jaloux, le truc, d'accord? Ça s'appelle des co-épouses. Donc on commence maintenant la Mishnah. On a vu jusqu'à maintenant, depuis le début de la Masechet, un sujet essentiel dans Yevamot. Bien évidemment, lorsqu'un homme décède, son frère est justement avec sa femme, avec la femme du frère, sa belle-sœur, s'il n'avait pas d'enfant. Et s'il avait des enfants, c'est interdit, c'est une sourde carrette très grave, d'accord? Là, mais si elle n'avait pas d'enfants, alors il a la misère de faire la misère du hiboum. Si le frère avait deux femmes, alors il en prend une seule parmi les deux. Et le sujet essentiel qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que s'il y a une des deux femmes qui avait un lien de parenté avec le beau-frère, eh bien, l'autre, elle devient aussi dispensée de hiboum. C'est-à-dire, puisqu'il y a une maison, la maison de son frère, elle a... Parmi les trois femmes qu'il a, ou les quatre femmes qu'il a, il y en a une qui ne peut pas se marier parce qu'elle est proche parente, elle est interdite par inceste, à lui, ça peut être sa fille, ça peut être la sœur de sa femme, et bien tous les trois autres aussi, elles deviennent dispensées de Yiboum. Ce qu'on va découvrir dans notre Mishnah, c'est qu'en réalité, c'est Beth Hillel qui pense comme ça. Tandis que selon Beth Shammai, eh bien non, celle avec qui il ne peut pas se marier parce que c'est sa proche parent, eh bien n'est plus du Yiboum. Mais les autres, elles sont aptes à se marier. Et là, regardez la catastrophe qui va se passer. Parce qu'on va se retrouver maintenant, bon, on va essayer de parler concrètement, d'accord, avec Réhouven et Shimon. Réhouven qui a deux femmes, Rachel et Sarah, et Shimon qui a une femme qui s'appelle Léa, qui est la sœur de Rachel en l'occurrence. D'accord? Vous avez compris? Rachel et Léa, vous les connaissez bien. On les connaît dans la Torah, ces deux sœurs. Sarah, c'est une femme et c'est une étrangère. On va l'appeler, vous savez quoi? Même pas Sarah, Abigail, comme ça c'est encore plus simple pour vous. On a Abigail, Rachel et Sarah. Rachel et Sarah, c'est deux sœurs. Abigail, c'est une étrangère. Réhouven, il est marié à Rachel et Abigail. Et Shimon, il est marié à Léa, la sœur de Rachel. Ça marche? On a compris la famille? Maintenant, Réhouven décède sans enfants. En théorie, il a deux femmes qui sont préposées au hiboum pour Shimon. Rachel et Abigail. Le problème, il est quoi? Il est que Shimon ne peut pas se marier avec sa belle-sœur. Il est déjà marié avec Léa, et le hiboum ne permet pas de se marier avec la belle-sœur du côté de sa femme. Ça permet juste, ça lève l'interdit d'inceste de la femme de son frère, le hiboum, mais ça ne lève pas les autres interdits. Donc il ne pourra pas se marier maintenant avec Rachel, parce que c'est la sœur de Léa, sa femme. Il n'a pas le droit d'avoir dans la même maison se marier avec Rachel et avec Léa en même temps, c'est pas possible. À part Yaakov Avinu, c'est une autre histoire. Parce que c'était avant la Torah, mais depuis que la Torah a été donnée, on n'a plus le droit de se marier avec deux sœurs. Donc du coup, maintenant, on a un vrai problème. Il se retrouve avec... Donc maintenant, il ne peut pas faire le hiboum à Rachel, sa belle-sœur. Est-ce qu'il peut faire le hiboum à Abigail? Alors on avait vu jusqu'à maintenant que non, ça va communiquer l'interdit. Puisque Rachel a l'interdit à Réhouven, il s'avère que parmi les deux femmes de Réhouven, une qui ne peut pas faire le hiboum, elle communique son interdit à l'autre. Et maintenant, Abigail, elle est plus préposée au hiboum. Elle devient permise, elle peut aller se marier avec n'importe qui. Ça devient comme une veuve classique, puisqu'il n'y a plus de personne qui va aller faire le hiboum. D'accord? Maintenant, allez, petite précision. Qu'est-ce qui se passe si malgré tout, Shimon il a envie de se marier avec Abigail, il va avoir des enfants? Eh bien, c'est comme si que Shimon, il va... prendre sa fille ou sa sœur et avoir des enfants. Il va avoir des enfants même zérides, des bâtards, parce que cette fois-ci, c'est un sourd carrette. Et si c'est un sourd carrette,
qu'il n'y a pas de mitzvah de hiboum, c'est un issur karet, très très grave. Autre question maintenant. Imaginez qu'Avigail, en fait, c'était une fille de Cohen. Vous savez que quand son mari décède, elle a le droit de repartir à la maison de son père et manger la trouma. Mais si elle a eu un rapport interdit, elle devient zona, ça s'appelle. Une source zona, on aura l'occasion de parler longuement dans Yevamot. C'est pas le mot prostituée comme on traduit, c'est quelqu'un qui a eu une liaison interdite avec certaines définitions. Il y aura une Mishnah qui en parlera plus loin. D'accord? Donc elle prend une source zona, et une zona n'a plus le droit de manger la trouma. Alors maintenant, regardez. Je vais synthétiser maintenant les trois halakhot qu'on a appris. Reuven décède avec cette Rachel et Avigail. Selon Bet Hillel, pour le moment, ce qu'on a appris, en fait, c'est que les deux n'ont plus de misa de hiboum. Si toutefois Reuven va, Shimon va malgré tout entretenir un rapport avec Avigail, il s'avère qu'il va la rendre zona. Et s'il va avoir un fils, ce petit va être un mamzer. D'accord? Vous avez retenu les trois halakhot? Il n'y a pas de hiboum. S'il va avec elle, il la rend zona, il y a un issur karet d'aller avec elle. Et s'il a un enfant avec elle, il va avoir, ça va être un mamzer. Eh bien, figurez-vous que selon Beth Shammai, quand Reuven décède et qu'il n'a pas d'enfant, certes, Rachel ne va pas tomber, ne va pas avoir de hiboum avec Shimon. Mais Shimon a la mitzvah de faire le hiboum avec Abigail. Donc en fait, il va s'avérer, vous imaginez la catastrophe. Parce que Shimon, maintenant, il va se mettre à se marier avec Abigail. Si toutefois, il va avoir un enfant, ça va être un mamzer. Selon Beth Hillel et selon Beth Shammai, c'est un enfant glat kasher, parfait. Si après, Shimon, une fois qu'il va se marier avec elle, il va décéder, Abigail, elle va repartir dans la maison de son père, elle va manger la trouma, puisqu'elle n'a jamais été zona, ni groucha, même groucha. D'accord? Donc, finalement, vous imaginez la catastrophe qu'il y a d'avoir des marloquettes, des fois, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Eh bien, figurez-vous que malgré tout, il y avait une marloquette. Et concrètement, la Gemara, elle parle des ballons sur la question, mais concrètement, Beth Shammai agissait selon leur halakhot, et Beth Hillel selon leur halakhot. Il s'avère qu'en fait, dans la maison dans la yeshiva de Beth Hillel, il voyait certaines personnes chez Beth Shammai qui étaient des vrais mamzerim, et dans la maison de Beth Shammai, ses enfants qui étaient des mamzerim, c'était des grands tzadikim, des grands rabbanim, avec un yichus parfait, et c'était des marloquettes qu'on dirait pendant très longtemps. Et malgré tout, figurez-vous que la yeshiva les gens de la yeshiva de Beth Hillel se marient avec la yeshiva de Beth Shammai. Ils disaient juste, attention, ne te marie pas avec elle, parce que toi, selon ton avis, c'est un mamzer. Moi, selon mon avis, il est cachère. Mais celle-là, tu peux la prendre, parce que celle-là, elle est cachère. Vous imaginez la situation, c'est assez spécial. Il y a une main qui débat longuement comment ça se passe, pourquoi finalement, comment on peut vivre avec deux taurotes différents. Et la Gemara, elle explique aussi, si dans une même ville, on a deux batédinim différents, c'est fréquent aujourd'hui avec les Sfaradim et Ashkenazim. Pour les Sfaradim, ils vont faire comme ça, pour les Ashkenazim, comme ça. Pour les Sfaradim, les Ashkenazim, ils vont manger taref. Pour les Ashkenazim, les Sfaradim, ça va être des mêmes érim. Chacun, il agit selon son rave et selon ses décisions qu'il a. Et il va selon ça. Et il peut même se marier aussi entre eux. Juste qu'il fallait prévenir que ne le mange pas, ne te marie pas avec elle parce qu'il y a des problèmes selon ton avis. On a fait l'essentiel de la Mishnah, il reste juste un petit cas avec la même situation avec les Trotouma Beth Ahara. Déjà, je commence à traduire la première partie. Bet Shammai matirim atzarot les achim. Bet Shammai permettent les co-épouses pour les frères. Les tzarot. Pour les frères. Pour les frères, pour tout le. C'est-à-dire, Shimon, il a le droit de se marier avec la co-épouse de Rachel, donc avec Abigail. Ou Bet Hillel l'Osrine, et Bet Hillel les interdisent. Première marque loquette. Deuxièmement, un autre cas que je n'ai pas encore parlé. Khaltsu, maintenant, selon Bet Hillel, selon Bet Shammai, si toutefois Shimon n'a pas envie de se marier avec Abigail, il n'a pas envie de la prendre en hiboum, alors il devra lui faire la Khalitsa. Vous savez que s'il fait la Khalitsa, elle devient interdite au Kohanim à se marier. Tandis que selon Bet Hillel, s'il lui fait la Khalitsa, c'est pas grave. Une veuve, elle est permise pour les Kohanim. Pour le Kohen Gadol, elle est interdite. Mais pour le Kohen classique, c'est permis. Donc maintenant, si Shimon a fait la Khalitsa, c'est un cas que je voulais en parler. C'est le même principe, tout est la même idée. Shimon a fait la Khalitsa à Avigail. Selon Beth Shammai, elle est devenue Khalutsa, donc elle devient interdite au Kohanim. Khaltsu, Beth Shammai poslin, mina keuna, ou Beth Hillel marchirin. Mais selon Beth Hillel, ils vont permettre, parce qu'ils vont dire, la Khalitsa que tu l'as fait, c'est rien du tout, ça n'a pas de sens, c'est comme si tu as pris une étrangère, tu l'as fait une Khalitsa, elle ne devient pas Khalutsa, elle reste permise. Ok? Vous avez compris l'idée? Entre parenthèses. Un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée. Il a le droit de se marier avec une veuve, mais pas avec une divorcée. Si moi je vais prendre une femme dans la rue, je vais lui dire tiens, je te donne un guet, je te divorce. Est-ce que le Cohen pourra se marier avec cette femme? Vous allez me dire bien évidemment, c'était pas ma femme, donc je ne l'ai pas divorcé.
D'accord? Même principe avec la Khalitsa. Tu fais la Khalitsa à une femme qui n'était pas préposée au hiboum, et bien tu es. Elle n'est pas Khalutsa, donc le Kohen a le droit de se marier avec elle. On continue. Nitya Bemou, maintenant, ils n'ont pas fait la Khalitsa, ils ont fait le hiboum. Shimon s'est marié avec Abigail, Bet Shamay Marchirin. Eh bien, Bet Shamay va dire parfait, excellent, Tzadikim. Ils ont accompli la mise de la Torah. Bet Hillel possible, Bet Hillel, ils vont lui dire, ils vont invalider l'enfant, ils vont dire que c'est un mamzer, c'est un bâtard. Et malgré tout, la Mishnah raconte Afal pi shelo osrin velo matirin, bien que ceux-ci interdisent, tandis que ceux-ci vont permettre cette même situation, ou encore Elo poslin velo marchirin, ceux-ci vont invalider pour la keuna ou pour le fils en disant que c'est un mamzer et velo marchirin. Malgré tout, l'onimneu bet shamay mi les sanashim mi bet hillel, les membres de la yeshiva de Shamay ne s'empêchaient pas de se marier avec les femmes de chez bet hillel. Et inversement, Velo bet hillel mi bet shamay, et ni bet hillel ne s'empêchaient de se marier avec bet shamay. Et comme je vous ai dit, il y a juste qu'ils se prévenaient. Quand il y avait un problème, ils prévenaient. Mais ils ne faisaient pas tout un plat. C'était pas comme aujourd'hui, tu vas t'inviter chez le coach, chez un copain, tu dis, tu manges quoi comme viande. L'autre, il était au courant que s'il a un problème, eh ben, tu le préviens, et puis c'est bon. D'accord? Et ensuite, on continue. Kol ta rot ve'atum ot. Maintenant, il y a parmi, à part ce problème donc du hiboum qui faisait des problèmes terribles, il y a aussi des problèmes de loi de pureté et impureté. Bientôt, Bezat Hashem, quand on aura fini ces derniers chines qu'on vient de commencer, après on fera sûrement, probablement, le Seder Zraim, parce qu'il est plus facile, on laissera le meilleur pour la fin, Seder Taharot, les lois de pureté et impureté, qui sont très vastes. Il y aura là-bas des tas de marloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc en théorie, ce qui est parfaitement pur chez toi, chez moi, c'est parfaitement tamé. Ou inversement. Malgré tout, Kol ha-taharot va-tumot, shehayu elo metaharin ve-elo metamin, toutes les lois de pureté et d'impureté, que tantôt ça va être lui qui va rendre pur et l'autre qui va rendre impur, ou inversement, malgré tout, lo nimneo sin taharot elo al-gabelo, ils ne s'empêchaient pas de faire les taharot, un avec l'autre. Deux voisines, une qui était Bet Shammai, une qui était Shamaït, et une qui était Hillelit, elles se permettaient d'aller pétrir ensemble, faire des gâteaux ensemble, en se prêtant les ustensiles. Et selon le cas, on lui disait, non, attends, ne touche pas cet ustensile là, trop mauvais, attends, parce que selon toi, il est impur, et selon moi, il est pur. Vous imaginez la vie, mais en tout cas, regardez comment il y avait la Ava et Arva entre eux, et ils se mariaient malgré tout, même si chacun il avait des halakhot fondamentalement différentes. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout ça.